rejection, depression. Can't get what you want. You ask me how I make my way. You ask me every when and why. You hang on every word I say. But the truth sounds like a lie. Et salut, c'est Junk, on se retrouve sur la chaîne de Horasia pour un donjon Arachnid. Tu sais, maintenant t'as plus besoin de dire que c'est la chaîne d'Horasia, maintenant c'est aussi ta chaîne, mec. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait Junk sur la chaîne Horasia? Bah c'est simple, on a décidé, depuis que Junk s'est dit, je vais peut-être faire des vidéos et je vais télécharger légalement Camtasia. Hein. Tout à fait légalement. Voilà. Depuis que t'as dit ça, je vous dis, pourquoi tu viendrais pas faire ça sur ma chaîne? Et donc là, il me répond, bah ouais, pourquoi pas. Et bah voilà, il vient à la coste. Bah bienvenue. Merci. vas-y, explique-leur qu'est-ce qu'on fout ici. Bah on va faire un donjon et je pense qu'on vous reprend direct dernière salle. Alors voilà, c'est un donjon un peu spécial parce qu'en fait c'est le donjon... Arachnid, mais on est avant tout là pour vous présenter ce que ça donne un gameplay contre un boss de donjon à 2 plus de multi. Ouais. Donc bah, allons-y, par contre je te conseille pas de prendre masse. Si il fait des gros dommages en ça. Bah je garde mon chevalier d'Astrid. On fait quand on a comme entier ou Comme tu veux. Bah non, c'est toi qui choisis. Je sais pas, ça dépend la longueur du donjon. Bah je pense qu'on en a pour 30-40 minutes. Je pense qu'on peut le filmer en entier alors. Ouais, allez, c'est parti. Allez, je mets mon petit bois. Alors, je me souviens mal, les arbres qui sont craignent le feu, les arbres qui sont vénérables craignent la terre. Du coup, je vais placer mon ultimen. Ah bah non, c'est le tien de terre. Place-le près de la braquine de vénérable. Vénérable, pardon. Elle est où la braquine de vénérable? Vénérable, c'est la petite marron. Hop là, je vais mettre là tranquille. Non, allons-y mon ami. Ok. Alors, je vais booster tout ça. Oh mais c'est cool ça. Les résis, j'aime bien. Alors sachez qu'on s'est organisé parce que je vais vous le dire clairement, j'ai chié par rapport aux notes j'ai pas assez travaillé pour ce trimestre. Du coup j'ai eu des restrictions parentales on va dire. Et les gameplays de la semaine ce seront avant tout Junk qui les feront, sauf exception. Et le week-end vous aurez du lourd de côté. Enfin du lourd. Du gameplay sur Dark Chronicle. Et puis après, on verra. Je suis pas devant. J'aurais bien aimé. Mais non. Je sais pas ce que Junk a en programme pour ce qu'il compte faire. Voilà. Mais moi j'ai mes petites idées. Déjà il faut que je continue ce que je suis en train de faire là. Moi je pense que je vais surtout faire du PVM. Donc, Allez. En fait non, il craint pas la terre. Il a des récits même, non? Ouais. Ouais. Ça, bon, c'est pas grave. Bon, mais je prendrai le chevalier d'Astrub alors pour ZJ parce que... Au pire, Zef, tu fais ce que tu veux. Pour les résistances feu, ça sera plus pratique. Par contre, je t'avouerais que ce truc, il m'emmerde, là. De quoi? L'arbre? Ouais, voilà. Et tu veux pas taper la bractique? Non, parce que c'est avant tout du plaçage en ligne, le chevalier d'Astrub. Je pouvais le taper, mais ça faisait pas grand chose, comme tu peux le voir. Ouais. Vas-y, marave la gueule. C'est du châle. On s'en fout des challenges, là, on le fait juste pour présenter un peu le gameplay au Pokémon. Oh putain, il me bloque, lui, sérieux. Bah, fais un bon, je t'en fous. J'ai plus de PA. attends, j'hésite à faire un coupé, mais je vais défoncer ton chevalier en même temps. T'as qu'à faire un petit souffle. Non, tant pis. Hop. YOLO. Je reste dans le glyph, c'est pas ça qui va me tuer.
Il était plus dur à mon souvenir, selon moi. Ouais, mais c'était il y a un moment qu'il a été rénové. Ouais, en même temps, j'étais niveau 114 la dernière fois que je l'ai fait. Ah, c'était 140 la dernière fois. Ah, mais un fail. Oui, grave. Ma souris, là, salope. Alors, S'il te plaît, reste pas ici, parce que sinon je pourrais pas le taper avec mon chevalier. ok, fuite. Je vais me mettre là. Non, je fais pas. Bûchette, oui. Rebûchette. Voilà. Ça fait quand même des jolis dommages. Sur du 23% régie, ça va. Ouais, ça passe tranquille. Ça passe. Comme d'habitude, toujours aussi puissant. Ouais, c'est cheaté. Mais là, je peux pas le taper, il est trop loin. Tant pis, t'inquiète, je finis. Et oui. Bon, prochaine salle, alors. Je crois que c'est les arachnotons qui craignent la terre. Ouais, c'est ça, c'est les arachnotons. Ça là? Ok, bah Ouais, c'est cette petite merde garde mon petit man là. Je vais vous booster. Je suis à peu près sûr, j'ai fait un sac avec un ami qui s'appelle Ambusier. On a fait ce donjon, c'était un Yoptère, donc je suis à peu près sûr que c'est ça. Ouais, tu vois. Ouais. Eau et terre. Oh, ton chevalier aussi peut le taper. C'est pas grave, c'est pas... d'ailleurs, si tu veux le taper... Ah, de toute façon, on m'a rappelé. Ouh, mais c'est que là, le jeu, il m'incite à rejeter. Allez, plus 400 d'intel, gars. Sérieux? Je vais me perdre ça. Oh, ce que je lui ai Poutine. dit. Alors, pote. Rappelle-moi le sort du multi-man chevalier d'Astrium, c'est lequel pour qu'il repousse? Qui repousse? C'est le gros. D'accord. Parce que là, je vais tester mon Roquefeu, attends, avec 400 antennes. Pas beaucoup, mais ça suffit. Ça va, tranquille. Sur du 21%. Ouais, il a à peine abusé, sachant qu'en plus on n'est pas du tout des Roxor, nous deux. C'est de l'ironie. Donc en plus de multimen. Alors, est-ce que je vais bien pouvoir. Je t'avouerai, j'aimerais bien avoir ombre. Je t'avouerai, il coûte un peu trop cher. Ouais, mais en s'abonnant, je crois, on l'a aussi. Alors. Oui, on s'abonne à un an. Ah non, putain. Voilà. Ça fait plaisir les petites Flamisha 250. Allez, tu finis là. Oh, ça va être difficile quand même. Ça va être dur. Ça va Ils ont pas trop perdu en puissance en fait les EK. Hein. Ça va. Ils ont surtout gagné en soins. Ouais, ils ont énormément gagné en soins. Bah de toute façon le boss je vais me mettre en mode soin. Hein. Est-ce que les arachnées sombres Elles craignent à mort la terre. Ok, je vais me mettre là-bas. Tu vois? Ouais, à peu près autant que les arachnotons quoi. Ah, c'est un bon donjon ça pour nous, c'est ils craignent quasiment tous le feu. Ouais, ça va. C'est pas trop difficile. Ouais, et je crois que la braquille ancestrale c'est l'élément qu'il craint le plus, le feu. Ah, je sais pas. Il y a pas un truc. Mais je suis pas sûr. Non, il a pas de... Il a pas de... Un truc comme ça. Non, tu confonds avec le Shenmue. Ah, peut-être. Ah non. Si oui.
Mais lui aussi, non, il a beaucoup pointu. C'est pas un gros arbre gris. C'est un gros arbre gris sur lequel tu drop un Dofus, quoi. Ah oui, ok. Ce qui me fait marrer, c'est que t'as deux possibilités pour dropper le tutu. T'as le Shenmue et t'as le dragon cochon. D'un côté, t'as un monstre qui est plutôt facile quand t'es en groupe, le dragon cochon, et de côté, t'as The Monstre qu'il faut avoir une putain de team pour pouvoir le faire. C'est clair. Je trouve ça nawak, sachant que les deux font dropper un Dofus. Ouais, mais t'as plus de chance de dropper. Ouais, je pense que ça doit être comme ça, hein, parce que sinon, c'est vrai que c'est... Sinon, c'est vrai ah, que c'est même pas. Non, même pas, y a même pas plus de chance. Y'a même pas plus de chance. Oh, je suis dégueu, j'ai paniqué. C'est juste que j'ai été one-shot pas au départ, quoi. Mais bon. Sur 1.29, y'a un bug qui faisait que le Dragon Cochon était tellement con qu'il faisait son sort dès le début, c'est qu'il retire des PA et qu'il utilise des PA après. Hey, bien sûr. Je suis en mode abruti, tu sais. Premier jour est bon, quoi. Il essaye d'imiter les yo, je rêve. Ouais, sauf qu'il fait des petites attaques. Ça va quand même. Hein. Ouais. J'ai 300 sur du 32% résine. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, je sais. Ah putain, j'avais oublié ce détail. Vous avez des coups? Non, j'avais oublié que quand je suis pas en F, je soigne rien avec ce sort. Okay. Par contre, quand je suis en trèfle... En fait, perception, quand t'es en trèfle, c'est le sort pour pouvoir redonner de la vie au sacré. Ouais. C'est trop bizarre les étages, je comprends plus rien aux écaflips. En fait, je t'explique. Perception, quand t'es en mode vénard, c'est-à-dire trèfle, tu vas pas augmenter les dommages, tu vas soigner de 15% de la vie des personnages qui sont dans la zone. Ok. Des personnages alliés, donc avec un sacrieur, t'imagines? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. La vita max. C'est à distance, je vais plutôt prendre un petit chevalier d'astrube. Voilà. Alors attends, pousse toi, Jung, s'il te plaît. Ah merde, j'ai plus de perso. J'ai enlevé. Tiens, mets-toi à côté de moi. Mais pourquoi il est pas venu dans le combat, ce petit? Parce que tu peux pas changer les trucs dans le combat en plein combat. Si. Ah bon. Non. Bon, sans multiman alors tu vois. Sauf si tu me virais que je reviens. Ah ouais. Non bon, tant pis. Ok. Brouille-toi par contre. Merci. Voilà. Je change de position. Dépêche-toi. Et rassure-moi, tu aurais que bien là. Coucou YouTube. Je ne vais pas vérifier parce que ça va faire moche, mais... Bah si, c'est bon, c'est pas grave, c'est petit, ça les embête pas. Hein, que ça vous embête pas. Et puis si ça vous embête... Tant pis. Vous savez ce que je pense. Je me suis tapé. Mais je vérifie, alors... Oui, c'est bon. 13 petites minutes. Ah putain. Il me manque un de PO pour le taper. Un de PO. Non, sérieux. Allez, en mode YOLO, c'est parti. Ok. Le temps est toujours aussi cité d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire?
Voilà. Alors. C'est trop bizarre qu'ils sont même pas présentés comme des multimans les jeux et des assassins. Ouais. Ah, ça fonctionne pas tellement. T'as cru que tu pouvais taper à travers les murs là? Carrément. Par ailleurs, je te bloque. Non. T'as pas osé. Je voulais, j'ai pas fait ça en fait. Par ailleurs, je vais te le défoncer. Je t'ai cassé. Alors. T'as osé taper mon multimène? Ouais. Aucun respect. Ok. Ok, je vois le joueur. Bon, vas-y, t'es mort. Non. J'attaquerai pas ce tour parce que j'ai mon épée du destin. Dis, je vais taper sur ce tour parce que je vais pouvoir taper deux mobs en même temps. Désolé. Tant pis, tant pis. Parce que je vais même pas taper la réflexion. Parce que je pourrais aller direct tuer. Tape-toi avec ton mob. Avec ton multimain. Tape-toi, j'ai mis chance des capitaines. T'as quasiment plat là, Junk. Ah bon? Ah mais genre pas du tout. Enfin là ça a mieux mais. Ok. Non, c'est parce que je parlais pas très fort. Mais je vais parler plus fort. Hein. Peut-être avec une leçon. Et c'est cheaté. Je me suis fait une marasse. Bon, alors normalement je devrais pouvoir en finir un. Je pense que je commence à le maîtriser, le chevalier d'Astrubles. Ouais, tranquille. Oh non, c'est quoi ce rox de noisette là? De noisette. C'est quoi ce rox de noisette? Son dommage au poussé, what the fuck? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il doit avoir une réduction de dommages, c'est pas possible. Content que mon petit let's play sur Dark Chronicle. Vraiment. Ah. Placement de produit d'ailleurs. Non, je n'ai rien fait. Bon, en fait c'est rapide, hein, ça va. Tranquille. Bon, carrément, en plus avec les multimènes. C'est l'avant-dernière, non, la salle là. Ouais. Et je me suis fait une marasse. Je ne peux strictement rien faire. Merci. De rien. Même si ça sert à rien parce qu'il reste 90 points de vie à lui. Ouais. Qu'un chacha qui bloque le truc. Un chaton. C'est cheaté la PO franchement. Toi tu trompes des parchemins ivoires toi. Vas-y, recharge ta vie au max. Ouais. Je vais faire ça tout de suite. Je mets en mode soin dès le début. Si tu veux. Il y a un truc, un succès à faire. Peut-être. Bah attends, ouais, je vais regarder. Ok. Je le fais en même temps pour voir. Alors, C'est 100... C'est 51 à 100, je crois. C'est non, jamais, c'est 110. Ne jamais se faire C'est 100. tacler et le finir en premier. Et J'ai du jamais mais ça ne le fait pas. Enfin, utiliser tous ses PM sans se faire tacler. Moi, il me manque que Nomade. Ah, moi, il me faut premier, duo et Nomade. Mais duo, on fait bah, pas. On fait premier et Nomade. Ouais, ok.
Tu le rocks sa mort et bah ouais, en fait non, je vais me placer en mode rocks et on va le défoncer. Oublie pas que t'as pas le droit d'être, faut que tu te déplaces, hein, mec. Oui, t'inquiète. Je ferai un bon ou je ferai une libée, de toute façon, c'est pas grave. Il a pas des super poisons, tout comme ça, lui? Ouais, c'est ça. Il peut te taper 500 par tour. Ah, mais S'il te met en full poison, il te rend sa mort. il m'a débuff. Apparemment. Le mec, il met des poisons, c'est une débuff tranquille. Ouais. Tarmol. J'ai même plus mon épée du destin chargée du coup. C'est pas bien. Si t'as besoin de soins, vraiment, vraiment, tu te précipites vers moi et bah, ça va aller vite. En fait, il est comme les ossa, l'écaille, il peut pas se soigner lui-même. Je trouve ça carrément dommage d'ailleurs. De quoi qu'il peut se passer soigner. Ouais. Merde, je peux pas. Ah non. T'es très mal placé. Oui, et en plus j'ai pas eu le temps de faire l'attaque que je voulais faire. Désolé. Pas grave. Mais super combo là. Utilise tout tes PM par contre. Ouais. Mais normalement ça devrait être possible de le finir, je pense. Je tape un petit peu comme ça, tu vois. Tout petit peu, hein. Juste du 400. Mais il a de la fait grosse blesse haut, donc ouais. Ouais, ça va. Fais un bond pour t'échapper. Oui, tout de suite. Ou une libée comme tu veux. Non, un bon. Double tempête, tu le termines? Non, c'est pas grave, je le finis. Mais je le finis avec mon ultimate si. J'ai jamais vu un combat contre ce personnage aussi rapide que celui qu'on vient de faire, mec. Ah ouais, fallait bien qu'il vienne nous emmerder. Ah oui, avec ça. Mais ça va, 1200 points de vue, c'est rien. Tu le déchires, tu lui fais des longues rappeuses. Ah oui, ok. Ça va, t'as pas l'impression de soin. Bah, j'ai eu un bonus plus 100 de soin, mec. Ouais, ok. Est-ce que je peux me casser avec mon ultimate ou pas? Pourquoi c'est tout le temps mes persos qui prennent tous les dommages? Tu peux me dire ça? Parce que la drogue. Ok, c'est une bonne théorie. Très très bonne théorie. Bon, alors, je vais me faire tacler là. Je vais me faire tacler. Alors. Essaye de pousse les deux autres et tape-toi. Est-ce que je peux le pousser sans me tuer? Attends, attends, non, non, non! Et merde. Okay. C'est pas ce qu'il fallait faire. Mec, si t'avais fait le sort là, tant pis, je t'aurais ferai les pu deux. taper sur le... Putain, t'as foiré les deux succès, mec. Je sais. Alors si t'avais je sais, fait oui, en plus, Banestra oui. Sur Arachnosong, t'aurais pu TP à côté. Ouais, je sais. Fail. T'es trop con en fait. Oh merci, c'est sympa. De rien. Bon, de toute façon, on va terminer, mais bon. Bon bah voilà, ah, joli fail, bravo Junk. T'en as foiré deux en un seul tour. T'as vu? Juste à cause de ce multiman quoi. Non non, tout ça à cause de toi parce que t'aurais très bien pu y arriver sans avec le multiman. Hein. C'est la faute au multiman. C'est pas genre, c'est pas genre. Dis, c'est la faute au multiman. Ça compte pas avec le multiman. Hein. Enfin si les kills oui, mais les PM peut-être pas. J'aurais été taclé par la réponse là. J'aurais été ici, j'aurais été taclé par la réponse. Ah ouais. Peut-être. Ah non. Ah si, peut-être. Si t'avais fait l'autre, t'aurais pu réussir. Regarde, si j'avais fait ça, j'aurais été taclé. Je suis taclé là. Je peux me déplacer jusqu'à là.
Et l'autre, j'ai fait pile un coup critique quand on n'en veut pas. C'est chiant ça. Bon, tant pis. J'ai fail. La portée n'est pas du tout abusée. C'est pas vrai, je sais pas de quoi tu parles. Mais je parle pas ce langage. Je n'écoute pas cette chanson. J'écoute pas cette musique là. C'est personne. Je sais pas de quoi vous parlez. Bah écoute, on gère. Je gère pas. Laisse-moi terminer la braquini de Sombre, je m'en occupe, t'inquiète. T'es sûr? Bon, de toute façon, tu peux. Tu exerces peut-être à refaire. Il y a bon français. Voilà. Anda. Non, mais PM. PM qui te sert à rien. J'ai même foiré le premier, du coup. Bonne nuit. J'ai. Bon, là, ça va. Ouah, quel drop. Quel XP de malade. Ouais, oui, mais si on avait réussi les succès, attends. Bon, bah voilà. Un petit fail. Bon bah écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. T'as quelque chose à dire? Bah non, en fait pas du tout. Et t'as quelque chose à dire pour ta défense de cette... La photo multiman. Bah zoom pour moi 2 secondes. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Qui passe en l'air. Ouais, ça fait des feux d'artifice. Attention, la meilleure action de la fin. Allez, je vais stopper là et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je tiens. Un mot pour la fin. YOLO. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un like, mets un commentaire positif, ou sinon je viole ton âme avec un poireau.